Et ben voilà, c'est vendredi 18, hein, il est 8h. Je viens de me taper 1400 mètres de dénivelé, là, j'en ai plein le cul. J'ai jamais vu ça, ça monte putain raide comme je sais pas quoi, pendant des kilomètres. Je crois que je vais maigrir au moins de 10 kilos dans la première étape, là. Putain, dis donc, terrible. Voilà, ça c'est la vallée de Saint-Jean-Pied-de-Port, là, et puis je suis en train de monter sur Ronceau, par les chemins, par le chemin de Napoléon. Et je commence à avoir ras-le-bol, ça monte phénoménal. Jamais vu ça. La Malmontagne dans la forêt, c'est rien du tout à côté de ça. Ah, je suis vraiment crevé, hein. Et non? Enfin, bon, c'est le début, hein, je suis pas au bout encore. Voilà, bon, bah j'arrive à Pamplune. Hein. C'est dimanche. J'ai perdu les gens qui étaient avec moi. Je suis tout seul, comme un couillon. Là, je suis devant la place de Los Toros, de la San Fermín. Ensuite, il y a une espèce de collégiale, là, je sais pas ce que c'est, une grosse collégiale. Enfin bref, bon, c'est la ville, quoi. C'est pas terrible. Hein. C'est pas. Voilà, bon, bah, je vais aller me reposer parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai plein les pattes et plein le dos. Allez, à bientôt. Voilà, il est lundi, donc 21 mars. Il est 10h30 et là je suis entre Pamplona et un autre village qui s'appelle Logrono. Je suis très fatigué, je mange pas beaucoup et puis il y a pas mal de vallons et de côtes, tout ça, ça tue là, ça décourage. Mais bon, il y a des beaux paysages à voir, quoi. Bon, pour le moment c'est pas... Oh, terrible, terrible, quoi. Voilà. Là, je vais arriver dans un petit village là pour pouvoir prendre un peu d'eau parce que j'ai plus d'eau. Il faut boire souvent parce que tu te dépenses beaucoup là. C'est mes petits parcours en forêt, c'est que dalle ce que je suis en train de faire ici. Hein. Loin de là. Hein. Ah, le petit village, bon, je vais y aller tout doucement. Voilà, à bientôt. Bon, bah, je suis toujours sur la même étape là. Pamplona à Puente de la Reina. Voilà, je suis au point culminant ici, ça fait à peu près 1000 mètres d'altitude. Bon, ben faut se les cogner hein, quand même, parce que c'est des côtes qui sont assez raides. Hein. Voilà, on sait ce que ça représente, quoi. Beaucoup d'éoliennes aussi. Beaucoup d'éoliennes. Et t'as tous les petits villages qui sont en bas, là. Voilà, les éoliennes, là. Et, voilà, tout le long de la montagne, t'as ça que ça. Voilà. Non, bon, c'est pas assez joli, quoi. Voilà. Là, il y a un groupe d'anglais qui sont là. Voilà, qui sont comme moi, qui font le chemin. Bon, bah, on va redescendre maintenant. C'est plus facile à redescendre qu'à monter. Bon, allez, à la suite. A ver si tú dices el sol de frente. Sí. No va a salir bien. El sol ahí. Sí, el sol de espalda. Uh-huh. Ah. Yo no estoy acostumbrado a esto. Antes tenía un lado con la... Uh-huh. Y con eso... Estoy cansado. Sí, me siento cansado.
Voilà. El sombrero, ¿no está el sombrero mexicano? Oui. Grande. Ça sera bien pour le soleil. Ah, c'est très bien pour le soleil, ça. Oui. Voilà, je suis arrivé donc à Esteia. Bon, c'était 25 km. Voilà, bon, j'arrive sur le pont de Esteia. J'en ai plein les pattes. Il fait pas chaud. On est un peu en montagne là. Donc, en bas, il y a le torrent qui descend de la montagne. Il y en a un qui fait le camino en VTT. Voilà. Il est fatigué. Voilà. À bientôt. Mardi, cinquième étape. Je suis arrivé à Los Arcos. Bon, c'est une ville médiévale. Il n'y a pas grand chose à visiter, hein, à part son église. Pourquoi on l'appelle Los Arcos? C'est parce que la ville est faite de portes arquées comme ça. Ce style-là. Voilà. Ça, c'est une superbe église. Et bien voilà, je suis à Burgos, là, deuxième jour du voyage. Là, je suis en face de la cathédrale de Burgos, de style gothique. Très grande cathédrale. C'est la place. Pour atteindre Burgos, il a fallu donc, monter un dénivelé de 2000 mètres et de redescendre. Donc, dure journée encore une fois. Voilà, bon, je me trouve à León, en ce moment-là. Donc, très grande ville. Donc, première chose qu'on peut visiter, c'est pour le moment, c'est le bus qui s'arrête devant, bon, c'est pas facile. C'est la Plaza de los Toros, donc, avec la reine qui est juste en face. Voilà, la reine qui a été construite en 1938. Ah ben voilà, c'est la cathédrale de León, style gothique. Voilà, on arrive bientôt sur la Croix de Fer. Bon, j'arrive sur un petit village qui s'appelle Rabanal del Camino. On peut voir en haut des montagnes, là-haut, on va peut-être rencontrer un peu de neige. Ici, ben, en bas, il fait entre 25 et 30 degrés, et puis là-haut, il ne doit pas bien faire bien chaud. Voilà, donc il me reste encore pas mal, quoi, encore 11 jours à marcher. Quoi.
que je mets pour faire la prière. Pierre de mon village, et puis j'ai fait la prière comme ça. Je vais redescendre cette montagne, c'est la dernière. Je me souviens de ce bordure. Et puis, voilà. Et ben voilà, je suis arrivé à Santiago de Compostela. Llego a Santiago de Compostela con dos amigos. Eso es la catedral. No puedo filmar adentro. Claro, no tengo demasiada luz. Je présente mon ami Pedro, mi amigo Pedro, que hace, se ha acabado el camino también, está contento, sí. Mucho. Y su mujer Maite, contenta también de llegar. Habla, es igual. De que he terminado, bien. Pedro. ¿Estás contento también? Sí, ¿eh? Pero más mis pies están más contentos de terminar, que los tengo ya... Los pies. Que no sé si son míos o del vecino. Bueno. Venga.